Madame, madame, s'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît. Mais vous êtes calme, je vous parle, vous ne me gérez même pas. Vous ne savez pas qu'il peut changer votre sourire. Je peux résoudre votre problème. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Quel qu'en soit votre problème, je vous aide. Je vous aide, je résous ça. Je peux changer votre vie. Vous êtes calme, tout et tout. Vous êtes une belle femme. Vraiment, vous me plaisez bien. Madame, salut. Parce que depuis que je vous parle, vous ne me gérez pas. Je ne sais pas si c'est parce que je parle mal. Vous comprenez le français? Do you speak English? Do you speak French? Vous m'écoutez? Même si vous avez un problème, je vois que vous êtes calme. Même si c'est un problème de 100 000, 200 000, 500 000, je peux vous gérer. Je ne suis pas quelqu'un qui manque de... Ce n'est pas l'argent qui manque. Le plus important, c'est l'amour. Vous me plaisez. Acceptez au moins, répondez-moi au moins pour que je puisse vous dire ce que j'ai dans le cœur. Je ne connais pas quel problème tu as. Tu ne me gères pas. Ah, bon, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ce n'est pas parce que tu es belle qu'il va te draguer. Il va encore seulement te taper pour sortir avec toi. Dommage. Monsieur, monsieur. Ah, tu réponds même. C'est parce que j'ai franchement trop de problèmes. Je vous ai parlé, j'ai tout fait, j'ai tout dit ce que vous pouvez dire. Ouais, mademoiselle, comment on peut vous aimer plus que ça? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aïe, 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 aïe. Mais c'est comment alors que je vous parle depuis, vous êtes assise là, sans problème, vous êtes calme, je vous parle, vous ne répondez pas. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil. Sinon, comment vous allez alors? Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Moi, c'est Marie, c'est. Moi, c'est Florence. Ah, d'accord, enchanté, Florence, enchanté. Elle est une très belle femme. Hein. Waouh! J'ai entendu tout ce que vous avez dit, mais j'étais tellement perturbée. J'ai trop de problèmes dans la tête ces derniers temps. Mais comment? Vous me voyez assise comme ça là. Je suis assise là, c'est parce que je suis tellement troublée. Comment une belle femme comme ça peut avoir des problèmes? Généralement, ce sont les hommes qui ont les problèmes. Hein. Une belle femme comme ça peut avoir des problèmes. Comment fait comment non? Mais sinon, en passant, vous savez, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. J'ai pu entendre que vous avez dit, peu importe quel problème j'ai, quel problème d'argent, peu importe, vous pouvez me aider. Et franchement, ça vous m'a dit, ça tombe le coup. Et puis, quelle, madame, une belle femme comme ça, vous pensez qu'avec une telle beauté comme ça, quel homme ne pourrait pas mourir pour vous? Ouais, c'est ça qui est dit que quoi, non, monsieur? Ça tombe bien, comme je vous dis là. Vous me voyez là, vous me voyez assise comme ça là. Je réfléchis. Où je suis là? Ma mère est gravement malade là-bas, couchée à l'hôpital. Je vous assure. Où elle est là? On a besoin de 100 000 maintenance là. Comme vous me voyez là, on a besoin de 100 000 pour pouvoir commencer le traitement sur elle. Comment vous allez entendre? Je vous assure. Donc quand vous avez parlé là, j'ai seulement dit que, hé hey, Dieu, peut-être que c'est ma chance comme ça qui vient. Et en plus encore, je suis en train de louer un appartement là. J'ai à 7 mois de loyer là-bas. Et le loyer c'est 150 000 le mois. Parce que dès qu'on vous parle, dehors c'est rien. Je métisse. Hé hey, Seigneur. Non, sinon Dieu m'aime quand même, mais je vous assure, vous êtes vraiment... Eh, hey, merci mon Dieu. Dieu m'aime jusqu'à... Non, non, eh, hey, Dieu m'aime. Ouais. Et où je suis là, je n'ai même pas de téléphone portable sur moi. Oui. Aujourd'hui, ça a tourné au vinaigre. Donc si entre temps là, vous pouvez même me payer un autre téléphone. Et je serais vraiment, vraiment contente. Eh, hey, Seigneur, Dieu vous a vraiment envoyé pour m'aider. Sinon, j'étais vraiment dépassée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais déjà... perdu, je ne savais plus où je devais commencer pour pouvoir commencer les soins à l'hôpital sur ma mère. Ah, merci, merci. Sinon, on fait alors comment? Hein, chérie? Je pense quoi? Le mieux serait que vous restiez comme vous étiez et je continue mon chemin. Non, mais vous m'avez dit que vous pouvez résoudre tous mes problèmes, peu importe quel problème d'argent, même si c'est 500 000, même si c'est 100 000, vous pouvez me... C'est encore comment non? Vous savez, non, hey, vous pouvez. Non, 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 non. Hein? Non, non, non. Restez comme vous étiez. Moi, j'étais en train de blaguer. Tu sais que nous, les hommes, on nous a maudits. Quand tu vois une belle femme à route, donc tu te retrouves toujours en train de venir vers elle. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Non, c'est comment? C'est pas nous.
quand tu vois une belle femme en route, tu as toujours envie d'aller vers elle. Ce n'est pas nous qui fait. Donc, dans mon pardon, problème, c'est 500 000 euros. Pardon, le problème, ce n'est même pas ce que l'argent est. Pardon, vraiment, c'est parce que Dieu nous a maudits. Je n'ai même pas l'intention. Parce que quand je vous regarde, vous n'êtes même pas mon genre de femme. Eh, ah bon? Je vais vous dire, vous n'êtes. J'aime les femmes grasses. Parce que quand je vous regarde, vous n'avez pas la taille de. Moi, j'aime. Bon, d'ailleurs, même, on va perdre notre temps pour rien. Le mieux serait que quoi? Restez comme vous étiez. Restez comme vous étiez. Non. Restez comme vous étiez. Restez comme vous étiez. Je pense que c'est la meilleure solution. Je pense que. Mais, chérie! Non, ça va. Eh, hey, chérie, de quoi? Ouais! C'est le moment, chérie, tu fais un passement. 500 000, chérie. Mais c'est pour ça que tu as une fois résolu mes problèmes. Tu as une fois résolu tous mes problèmes. Pardon. Tu fais encore ces mains. Pardon. Eh, Seigneur, vous voyez les femmes, vous pensez que c'est les problèmes de tout le monde, vous pouvez résoudre. Tu veux résoudre mes problèmes de 500 000. Tout ce que je veux, tu vas me donner. Je te parle seulement du loyer de 7 mois que tu es incapable de me donner. Pardon. Je continue moi ma chose. Je vais aller là-bas à l'hôpital regarder ma mère.